Cali. Cali. Oh, Cali, tu peux venir maintenant. La surprise est prête. Oh, Cali. Non. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Attends-moi, César. Je vais la chercher. Oh, oui, mais dépêche-toi, hein, oui. Pacha. Oh, j'ai hâte de jouer à notre nouveau jeu. Ça fait longtemps qu'on prépare notre surprise spéciale. On a travaillé fort, fort pour la fabriquer. Alors, Cali dormait, mais elle s'en vient. Il ne faut pas qu'elle voie notre surprise tout de suite. Oh, vous m'avez fait attendre longtemps. Oh, le beau costume. C'est pour jouer à l'astronaute. Oh, et comment on fait pour jouer à l'astronaute? Ah, ferme les yeux, on va te le montrer. Oui. Attention. Bon, tu peux regarder maintenant. Tadam! Oh, une fusée. Oh, youpi. On va faire des tours dedans. Cali, moi, je suis le grand savant qui reste sur Terre pour faire décoller la fusée. Viens voir. Oui. Et voilà, je fais décoller ma fusée grâce à mon centre spatial. C'est ça, mon centre spatial. Je tourne des boutons, des manettes et... boum, la fusée s'envole. En regardant dans mon téléviseur, je peux voir la fusée se promener partout dans l'espace. Et c'est l'heure d'embarquer dans ma fusée. Je pars pour le soleil. On va sur le soleil, on va sur le soleil. C'est moi l'astronaute. Et puis la fusée est trop petite pour deux. Oh, mais ça ne fait rien, je vais y aller la première. Hey, c'est ma fusée. Je l'ai fabriquée, j'ai le droit de jouer tout seul dedans. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Toi, Cali, tu regardes et puis tu cries « Bravo !» quand la fusée s'envole. Oh, non. Ce n'est pas un jeu, ça. Je veux jouer pour vrai, moi. Oh, c'est notre idée à César et à moi. Ce jeu-là, on l'a inventé ensemble. Oh, vous n'êtes pas drôle. Du tout, je m'en vais. Je pars. Je suis partie. Attention! Attention! La fusée va bientôt décoller! Prépare-toi, César! Oh, moi aussi, je vais me préparer! Il va trouver une surprise en arrivant sur le soleil, monsieur l'astronaute César! Oh, ils vont bien voir que j'ai des bonnes idées pour jouer, moi aussi! Bon. Es-tu prêt pour le décollage, astronaute César? Oh, je suis prêt, Pacha! Bon, je compte jusqu'à zéro et la fusée va partir. Attention! Oui! 5. Tu as bien ton casque spatial, hein? Oui! 5, 4, 3, 2, 1, 0! Ah, c'est chicote! Oh, ça brasse! Oh, la fusée va s'envoler! Je suis dans les airs! Et je monte à toute vitesse! Attention, Pacha! J'ai failli accrocher une étoile! Oh là là! Et la fusée passe à côté de l'étoile! Elle va de plus en plus vite! Zoom! Oh, j'arrive au soleil! C'est toujours! Oh, attention, César, cramponne-toi! Je fais descendre la fusée sur le soleil! Ça y est! Ma fusée vient de se poser sur le soleil! Oui, je te vois dans mon téléviseur spatial! Sors de la fusée maintenant! Oh, il fait très chaud ici! Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai failli me brûler les doigts! Est-ce qu'il y a des habitants sur le soleil? Vois-tu quelqu'un? Non, personne! Non. Je suis Calorifère, la princesse du soleil. Non. César vient de rencontrer une extraterrestre. Oh, bonjour, Calorifère. Je viens de la Terre et je m'appelle César. Oh, tu as une fusée. Non. Très belle. Non. Es-tu content de visiter mon soleil? Oh, oui. Mais j'ai tellement chaud. Oh!
ton front est brûlant. Oh là 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 là. Tu as attrapé un vilain coup de soleil. Oh non. Ne t'en fais pas. J'ai une crème magique dans mes gants et je vais te guérir. Merci, calorifère. Je me sens beaucoup mieux. Bip, 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 bip. Allô, allô, César, César, la fusée est bouillante. Elle va exploser. Bip, 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 bip. Je vais la sélectionner avec mon gant magique. Voilà, elle est toute refroidie. Oh, calorifère, tu as sauvé ma fusée. Tu es si gentil que j'aimerais te récompenser. Oh, je n'ai jamais fait de tour de fusée. Tu me la prêtes un petit peu? Oh, j'aimerais aller visiter la Terre. Bien, d'accord. Je t'attendrai ici sur le soleil. Installe-toi, princesse calorifère. Je compte à l'envers. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wouh! Yahoo! Bon voyage! M'avez-vous vu dans ma fusée? Regardez-moi passer. Je fais des trous dans les nuages et des ronds de fumée. Je monte plus haut que les oiseaux. Dans l'espace, passe. Regardez-moi bien passer dans ma fusée. Attention aux planètes, as-tu vu la comète? Je bouge les manettes, je presse tous les boutons et la fusée tourne en rond. M'avez-vous vu dans ma fusée? Regardez-moi passer. Je joue à saute mouton, ma fusée fait des bonds. Le ciel est une patinoire, dans l'espace, passe. Regardez-moi bien passer dans ma fusée. Attention aux planètes, as-tu vu la comète? Allô, es-tu prête? Je vois la fusée venir, je vais la faire atterrir. Youhou! Ah, bienvenue, princesse calorifère. Je vais te faire visiter la Terre. La Terre? Oui. Voilà. Oh, c'est ça, la Terre! Oui, et ça, c'est un arbre! Oh, c'est beau, hein? Un arbre? Oui. Est-ce que ça se mange? Mais non, ça ne se mange pas! Et ça, c'est un banc! Un banc! Un banc? Oui. Est-ce que ça vole comme une fusée? Non, c'est pour s'asseoir. Mais qu'est-ce que... Il fait froid sur la Terre. Oh, je veux retourner dans mon soleil tout chaud. Oui, bonne idée, calorifère. Je vais faire un autre tour de fusée. Je suis revenu. Je m'ennuyais tout seul dans le soleil. Entre dans la fusée, calorifère. Tu vas retourner sur ton soleil et César va pouvoir revenir. Non. Mais il est déjà revenu? Qu'est-ce que tu fais là, César? Mais c'est ma fusée. Je suis venu la chercher. Mais ça ne se peut pas. Tu étais dans le soleil tantôt. Comment as-tu fait pour revenir sans ta fusée? Oh, il a utilisé son parachute spatial. Oh, c'est ça. J'avais un parachute spatial. Oh! Sors de la fusée, César! Je veux retourner dans le soleil! Non! Arrête! Oh là 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 là! Oh, lâche ma fusée, Kelly! Je pars pour la Lune! Oh, tu vas sur la Lune? Oh, je veux y aller avec toi! Oh, fais-moi une place! Je te l'ai dit, il n'y a pas de place pour deux! Oh! Oh,
Ce n'est pas juste. Je veux aller sur la Lune, moi aussi. Oh, si je pouvais faire sortir César de la fusée. Oh. Mais oui, je peux. César? Youhou, César! Oui? Si tu me prêtes ta fusée, je te prête ma belle petite soucoupe volante. Ta soucoupe volante? Quelle soucoupe volante? Suis-moi, tu vas bien voir. Mais tu crois qu'elle a vraiment une soucoupe volante, Kelly? Oh, j'espère que oui. Parce que je suis fatigué de me faire déranger dans mon jeu, moi. Oh. Viens, ma chérie. Oui. J'ai réussi à faire sortir César de la fusée. Il va avoir une surprise. Kelly! 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 Oh. Kelly! Montre-nous ta soucoupe volante! Oui! Ce ne sera pas long! Fermez les yeux! Et maintenant, regardez bien! Vous allez voir voler ma soucoupe! Oh. Oh. Mais tu... Une assiette en carton? Oh. J'aurais tellement aimé que ce soit une grosse soucoupe! Oh. Oh, j'ai une idée! Quoi? Bonne idée! J'ai joué un bon tour! C'est moi qui vais partir en fusée! Youhou! Youhou! Kelly! Ah, Kelly! Tu peux entrer dans la fusée! Je pars pour la Lune! Oh, dépêche-toi, Pacha! Fais décoller la fusée! Vroom! Non, pas tout de suite! Il faut attendre César! Il arrive avec sa soucoupe volante! Sa soucoupe volante? Oh oui, oui! Une vraie soucoupe qui vole dans les airs! Je suis en route pour la Lune! La belle soucoupe! Oh, je vais faire un tour! Oh, mais tu as déjà ma fusée, Kelly! Oh, je te redonne ta fusée, César! Oh, d'accord, je te prête ma soucoupe! Oh. Je préfère ma fusée! Oh, lolo. En route pour la Lune! Oui! Attention! C'est... Attention! La c'est fusée la va décoller! Et la soucoupe volante va s'envoler! Voilà. Êtes-vous prêts? Oui, on est prêts! Je compte! 5, 4, 3, 2, 1, Zéro!